Il est 3 heures à Jérusalem, sur la place on vient de traîner. Une femme au visage blême, on dit qu'elle sera lapidée. Autour d'elle, comme des chiens, voyez hurler tous les gens bien. Mais qui donc jettera la pierre le premier sur la femme adultère? Pourquoi pas toi, Jacob, son voisin de palier, toi qui fus le complice de sa volupté? Parce que tu es un homme, tu n'es pas concerné. La femme, dit la loi, doit être lapidée. Et toi, tu passeras sans baisser les paupières quand ses larmes et son sang colleront la poussière. Allez, jette la pierre sur la femme adultère. Toi qui te poses en juge et qui l'a condamné, aurais-tu oublié ce que fut ton passé? Ces filles qui souvent te furent hospitalières et dont tu savourais la fraîcheur de printemps, celles qui par ta faute devint fille mère et que tu laissas seule élever ton enfant. Allez, jette la pierre sur la femme adultère. Et toi le pharisien, le dévot, le bigot, qui regarde la scène derrière tes rideaux, bien sûr tu n'as jamais commis un tel péché, parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Toutes tes ablutions ne purifieront pas ton cœur et tes pensées, Tartuffe de sabbat. Qui de nous peut jeter la pierre le premier sur la femme adultère?